Il était une fois, dans un pays lointain à l'est, un empereur. Il était veuf et il avait trois filles qu'il chérissait. Un matin, au petit déjeuner, voilà qu'il leur demande. « Eh bien, mon aîné, je sais que tu m'aimes, mais dis-moi à quoi ressemble ton amour pour moi. » « Oh, mon père, mon amour pour vous est doux comme le sucre. » Pardon, je me suis trompée. « Oh, mon père, mon amour pour vous est doux comme le miel. » « Ah, quel bel amour. » « Et toi, ma cadette, à quoi ressemble ton amour pour moi ?»« Oh, père, mon amour pour vous est comme le sucre. » Ah, j'ai de la chance. Et notre Benjamine, alors, comment est ton amour pour moi? Père, mon amour pour vous est bon comme le sel. Bon comme le sel? Comme le sel? Oui, père. Mais... enfin, n'as-tu pas entendu comme tes sœurs ont trouvé des jolis compliments? Et toi, petite effrontée, tu m'aimes comme du sel? Mais père, laissez-moi vous expliquer. Et tu veux m'expliquer en plus? Hors de ma vue! Sors de ce château! Sors de cette maison! Sors de mon pays! Je ne veux plus te voir, jamais! Cet empereur était connu pour ses folles colères. Et ses sœurs, les sœurs de la princesse, avaient pu dire tout ce qu'elles avaient voulu, ça ne faisait qu'empirer la colère de leur père. Alors, la princesse prit des affaires simples et partit du château. Elle prit un chemin et elle alla toujours tout droit. En chemin, elle proposa de travailler pour qu'on puisse lui donner à manger ou l'abriter. Quelques-uns lui permettaient de dormir dans l'étable, d'autres lui donnaient une bonne soupe. Et tous les jours, elle marchait toujours tout droit, s'éloignant plus loin du château de son père. Si bien qu'un jour, elle arrive au pied d'un palais si grand, tellement grand, il était beaucoup plus grand que celui de l'empereur, son père, l'empereur rouge. Et elle se dit, là, je vais trouver du travail. Elle se présente à l'intendant. L'intendant était assez content parce que dans ce château, la plupart des hommes vaillants étaient partis avec le roi à la guerre. Et ça commençait à faire pas mal de temps. Alors, quand la jeune fille s'est présentée comme une orpheline qui voulait travailler en échange du gîte et du couvert, l'intendant était ravi. Il l'embauche, il lui donne d'abord des travaux simples. Et comme il voit qu'elle est courageuse, travailleuse, appliquée, il lui donne, au fur et à mesure, des travaux, des tâches un petit peu plus délicates. Et cette jeune fille était tellement agréable et concentrée sur son travail qu'on commençait à parler d'elle dans tout le château. Le soir, elle était tranquille, elle lisait un livre dans un coin de la cuisine. Mais à force de toutes ces beaux actes, eh bien, la reine a entendu parler de cette servante et elle a voulu qu'on la lui présente. Et dès qu'on lui a présenté la jeune fille, la reine a voulu la prendre à son service. Petit à petit, elle s'est attachée à la jeune fille. Les semaines passaient et la jeune fille était toujours, savait toujours faire ce qu'il y avait de mieux et dire ce qu'il y avait de plus agréable. Comme la reine avait un fils qui était parti à la guerre avec le roi, elle s'ennuyait de son enfant et elle était contente de trouver une jeune fille de compagnie à chérir elle aussi. Un beau jour, le roi et le prince reviennent de guerre. Ah, on annonce leur retour victoire en plus. Alors, on prépare les préparatifs de la fête et alors qu'on y est presque, on les attend, dans quelques jours, un cavalier arrive et annonce que le prince a été blessé dans une embuscade. Tout retombe. Quand le prince arrive, la reine ne veut que personne d'autre qu'elle ne s'occupe de lui. Elle le veille nuit et jour. Elle veille à tous ses soins. Mais au bout d'un moment, elle est bien obligée de se reposer. Et la seule personne qu'elle accepte pour
prendre la relève, c'est la jeune fille. Alors la jeune fille, comme dans tout ce qu'elle a fait, elle est appliquée, douce, consciencieuse, agréable, délicate. Ce qui fait que le prince se remet avec le sourire et récupère des forces. Et quand il est complètement rétabli et qu'il se promène avec sa mère dans les jardins du château, il lui annonce qu'il a envie de se marier. Oh, quelle joie! Mais alors je vais devoir courir tous les châteaux du royaume pour trouver une princesse. Et le prince lui dit, mais non mère, j'ai déjà choisi l'élu de mon cœur. Et qui est-elle? Oh, la reine n'est pas vraiment surprise quand le prince lui annonce que c'est la jeune fille. Mais il va falloir convaincre le roi de cette union. Elle s'en charge. Et là, elle est étonnée, elle aussi, car comme elle, le roi est d'accord pour ce mariage. Il sait que la noblesse du cœur vaut mieux que la noblesse du sang. On organise donc les fiançailles, les préparatifs, on fait les invitations, et la future mariée demande juste d'inviter une personne que personne ne connaît. Quand le mariage a lieu, le banquet bat son plein, et cette personne que personne ne connaît, c'est l'empereur rouge. Mais avant le banquet, la princesse est descendue aux cuisines et elle a donné des instructions très précises pour les plats qui vont être servis à ce monsieur. Quand arrive le banquet, l'empereur regarde autour de lui puisqu'il ne connaît personne. C'est très appétissant, mais quand il goûte ces plats, ils ne sont pas bons. Les plats repartent sans qu'il ait à peine touché à son assiette. Et comme il n'a pas de plaisir à manger, il regarde autour de lui, il regarde ses hôtes, la jeune mariée, qui lui dit vaguement quelque chose. Et puis, il voit que ses voisins mangent d'un bon appétit et boivent avec délices. Alors, il leur demande, mais vous appréciez ce qu'on vous sert ? Mais bien évidemment, j'ai jamais mangé quelque chose d'aussi délicat, d'aussi délicieux, un mélange de fondant croustillant, c'est merveilleux. L'empereur rouge se tourne vers son autre voisin, lui pose la même question et il a la même réponse. Vous permettez que je goûte? Bon, il n'y avait pas le Covid à l'époque, alors il lui permet de goûter. Il goûte. Et effectivement, c'est délicieux, ça n'a rien à voir avec ce que lui a dans son assiette. Et le vin, il goûte le vin. C'est un régal. Alors, l'empereur rouge commence à devenir rouge. Rouge, rouge, ça monte, et là, il interpelle le roi et la reine. Comment vous osez m'inviter au mariage de votre fils pour m'humilier? Mais enfin, de quoi parlez-vous? Tous les plats de tout le monde sont délicieux et les miens sont infects. Le vin est imbuvable. Qu'est-ce que cela signifie? Personne ne sait. On fait venir le cuisinier. Alors que le cuisinier n'est pas encore arrivé, la jeune mariée parle. Le cuisinier n'a rien à faire dans cette histoire. J'ai veillé personnellement à ce que les plats soient préparés pour l'empereur rouge. Je remercie d'ailleurs mes beaux-parents de m'avoir permis de l'inviter alors que personne ne le connaît. Tous les plats de l'empereur rouge sont cuisinés sans un gramme de sel, mais avec uniquement du sucre et du miel. Dans son vin, il y a également du miel, il est très liquoreux. Et dans la salière, c'est du sucre qu'il y a. L'empereur rouge est mon père. Autrefois, il m'a chassé sans me laisser m'expliquer. J'ai voulu lui montrer aujourd'hui combien mon amour pour lui est aussi fort, aussi puissant, aussi indispensable que celui de mes sœurs. Et cette fois, l'empereur rouge devient rouge de honte. Et de honte, il demande pardon à sa fille. Bien sûr, sa fille lui pardonne.
Ils tombent dans les bras l'un de l'autre, se réconcilient et la fête repart. Et plus tard, quand les noces seront terminées, la jeune princesse fera venir ses sœurs au palais et elles feront de nombreuses fêtes. Et si vous voulez faire un tour dans la Chine ancienne, cliquez sur la vidéo suivante.